Mon nom, c'est Warda Naili, j'ai 33 ans, je vis à Montréal et je porte le niqab. Je comprends que ça peut être déstabilisant, hein, parce que vous voyez que mes yeux. Mais derrière ça, il y a une personne comme vous. Je suis une personne, moi j'aime rire, j'aime lire un bon livre, j'aime regarder des séries, j'aime m'intéresser à ma culture. Un soir où j'étais dans le métro, je sortais du métro, j'étais à la station Sauvé, j'étais dans un escalier mécanique et il y a un homme qui m'a lancé sa bouteille de bière. Même sans des menaces directes, juste avec le fait que je suis habituée de recevoir toujours des insultes ou des commentaires désobligeants, le fait que je sorte de chez moi et que je m'expose au public, dans le fond, fait que j'ai l'impression d'être un peu comme une cible mouvante. Je me sens traquée. Je me sens constamment en danger. Mes proches aussi, mon mari voudrait que j'enlève mon niqab parce qu'il est inquiet pour moi. Idem pour ma mère. Je vais avoir 34 ans bientôt, je dois encore téléphoner à ma mère quand j'entre et que je sors de la maison pour lui expliquer où je suis et où je vais, car elle craint pour ma sécurité. Elle me répète souvent « j'ai peur qu'un jour quelqu'un t'assassine ».